Tout est fait. Bonjour. Jacques, pour quelques heures, le retour de Jacques Gillot, ancien président du Conseil général dans l'enceinte du Conseil départemental, à l'occasion du Congrès des élus, l'occasion de photos avec les élus, notamment Josette Borrell, l'incertain Richalus. Jacques Gillot n'a pas changé, sourire ravageur, une vraie figure de mode. Souvenir d'une autre époque où les élus, parfois, étaient plus intéressants qu'aujourd'hui, avec un vrai parcours politique, et puis un machiavélisme de bon aloi. Fabrice, interrogé dans la rue sur l'intérêt du Congrès des élus, il rit, il est gêné, il sait de quoi on parle, et puis ça sort. Oh, on se moque de nous encore une fois, qu'est-ce que des élus qui n'ont jamais rien fait pour le peuple vont faire avec le Congrès? Le statut, c'est pour endormir les gens, rien de bon à attendre. Fabrice a 25 ans, il dit qu'il est jobé, au chômage. Il est sans illusion, c'est triste. Que les élus se mettent en quatre pour le faire mentir. Jean-Marc, le général Jean-Marc Descoux, commandant de la gendarmerie en Guadeloupe, a quitté ses fonctions. Il sera le commandant de gendarmerie outre-mer. C'est une belle promotion pour ce militaire bien civil, déjà regretté de ses troupes, a relevé que c'est la première fois qu'un général commande le groupement de Guadeloupe. Il est arrivé en Guadeloupe colonel plein, c'est-à-dire 5 barrettes. En 2015, il a été sur de nombreux fronts humanitaires dans les îles du Nord en Dominique, après les passages d'Irma et de Maria. C'est aussi cela, l'humanitaire, le travail des gendarmes. Sonia, en quoi le Congrès sur le changement de statut permettra de résoudre nos problèmes au quotidien, demande Sandra Petro. Santé publique, environnement, éducation, accès à l'eau potable. Le Congrès ne sert à rien, dit-elle. C'est dur, peut-être, attendons. Sonia Petro, la suite des événements pour se prononcer. Raphaël, c'est Raphaël Confiant, écrivain martiniquais, qui le dit. J'ouvre les guillemets, quand X détourne des millions d'euros dans une université, ou quand Y laisse une ardoise du même tonneau à la tête d'une commune, d'une communauté d'agglomération ou d'une collectivité, ce sont des crimes contre la société, car cela touche tous les citoyens. Il est donc scandaleux de voir les avocats tropicaux pointer du doigt le parquet national financier de Paris. L'avocat dénonce le fait qu'un juge voudrait obtenir la tête de sa cliente comme trophée. Avant d'être nommé ailleurs, s'y expliquerait, ajoute-t-il, que le dit juge décide de se déplacer jusque dans la très lointaine Guadeloupe. Aux frais de la République, ajoute l'avocat, pour entendre sa cliente. Et Raphaël Confiant conclut : arrêtez votre cinéma. Bonsoir et à demain.